Ouverture légèrement positive ce jeudi à Wall Street, où la Grèce influençait encore largement l'humeur des investisseurs, alors que du côté des statistiques, les ventes au détail affichaient comme prévu une progression de 1,2% en mai dernier. Le dollar était quant à lui sous pression et manquait d'élan ce jeudi midi. L'euro-dollar cédait 0,7% à 1,1242. La livre britannique dollar glissait de 0,21% à 1,5482. Et le dollar yen enfin poussait de 0,67% à 123,54. En focus, les analystes de Trading Central se penchent sur le duo dollar américain-dollar canadien, un duo qui affiche une hausse au-dessus de son support à 1,2245. Des positions longues sont dès lors attendues au-delà de cette valeur, avec comme cible 1,2350 puis 1,2385 en extension. La pression touchait également les métaux précieux auxquels on s'intéresse désormais. L'or, pour commencer, reculait de 0,28% pour une once 3 à 1,18330. Quant à l'argent, en focus aujourd'hui, tant son prix ainsi que son indicateur RSI glissaient tous deux sous des lignes de tendance ascendante. Résultat, tant que 16,06 $ fait office de résistance, prévoyait de nouvelles baisses vers 15,59 $ puis 15,48 $. Pour Trading Central depuis le New York Stock Exchange, c'était Sarah Pison. Très bon week-end et à bientôt.